Hey, salut à tous! J'espère que vous allez bien! Ben, petit caribou, ce mois-ci, tous les vendredis, je vous ferai une dégustation. Je sais bien que vous aimez bien me voir manger, bande de gros gourmands. Donc, je me suis dit, pourquoi pas leur faire plaisir en me faisant plaisir, évidemment. Et enfin, dernière chose à vous dire avant de commencer la dégustation d'aujourd'hui qui s'annonce... tabernaclement bonne! Eh bien, je voulais vous dire que je me suis lancé un petit défi. Je suis aujourd'hui à environ 4000 abonnés, un petit peu plus, et je me suis dit qu'à la fin du mois, je voulais arriver à 5000 abonnés. Donc, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à ma chaîne, allez! Abonnez-vous, ça mange pas de pain! Bon! Trêve de lol! Aujourd'hui, on va commencer avec la spécialité de mon pays, la poutine! Et je vais vous dire quelque chose, j'en ai encore jamais mangé! Bah oui, vous le savez bien, je suis un Québécois en apprentissage. J'ai pas mangé ce matin, et là, j'ai faim. Vraiment, hein? J'ai faim! J'ai faim! J'ai faim! Allez, on va chercher la poutine, j'en peux plus. Et voilà, nous sommes chez moi, à la maison de la poutine. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va très bien et vous? Très bien, merci. Ça serait pour une poutine Montréal, s'il vous plaît. Parfait. Est-ce que vous voulez une boisson ou un dessert avec? J'aimerais bien une bonne bière avec, si possible. Une bonne bière laquelle? Est-ce que vous avez mieux quelque chose qui vient de mon pays, le Canada? On a de la blonde de Chambly, de la blanche de Chambly, de la fin du monde. Moi, personnellement, ma préférée, c'est la fin du monde. Alors, je vais vous faire confiance et je vais prendre la troisième. La fin du monde, parfait. Absolument. Et est-ce que ça cale une poutine? C'est ma première poutine, en oui, fait. Oui, ça cale. Je vais quand même en prendre une deuxième. Ok, parfait, okay. Vas-y, je t'écoute. Et ça sera emporté, ça sera la poutine bûcheronne, s'il vous plaît. Ok, pas de problème. La poutine bûcheronne. Est-ce que vous trouvez que j'avais un bon accent, moi? Non. Ok, c'est normal, je suis en apprentissage. Mais bel essai, bel essai. Ce sera tout? Ça sera tout, madame. Parfait, ça fait 25 et 50. Je vous remercie. C'est bon, je l'ai. Et maintenant, on va manger. Voilà. Allez, on déballe tout ça. Oh oui! La petite bière est découverte. Ils ont mis deux fourchettes et deux couteaux. Ils m'ont pris pour qui? C'est que pour moi. Bon allez, s'il en reste un petit peu, peut-être que j'en donnerai à ma petite louloute, hein? On sait jamais! Je vais commencer parce que là, avec l'odeur là, je commence à avoir mal au ventre tellement j'ai faim. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait. Je vais commencer avec la poutine Montréal, la poutine classique. C'est parti! Toi, un peu de côté, l'eau. Voilà à quoi ça ressemble. On va voir s'il y a du fromage. Je crois qu'il y a du fromage, hein? Wow! Aïe, 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 aïe. Allez, on a assez perdu de temps comme ça. Bon appétit! Ouais, ok. Je vois le délire. Attendez un petit peu, je regoute pour être sûr. Hein. Regardez ce fromage tout dégoulinant. Oh, c'est magnifique, ça me donne limite envie de pleurer. C'est trop bon! Je suis déjà accro. Tout est bon, la sauce... Les frites qui sont bien moelleuses, exprès, molles, limite, ça fond dans la bouche. Le fromage qui est incroyable, il est bien fondant, bien dégoulinant. J'adore ça, c'est incroyable, j'y retourne maintenant. Let's go! Allez, je vais ouvrir la petite bière parce qu'il se fait soif, hein. Bon, c'est pas grave, je nettoierai plus tard, j'ai l'habitude. À la vôtre. Et doucement avec l'alcool. La bière est bien bonne aussi, hein. Je la connaissais pas. Ça s'appelle la fin du monde. Ok, je me disais, je sens bien l'alcool. Elle est quand même à 9 degrés, la coquine, hein. Quoi? On continue la dégustation. J'ai déjà bien avancé, c'est tellement bon. Mais je peux vous dire que ça remplit bien le bide, hein. Je le finirai pas l'autre, ça c'est déjà sûr. Vous savez quoi? C'est très bon, mais je vais garder le reste pour ma copine parce que j'adore lui faire partager mes petits repas, mes petites trouvailles. Je vais maintenant goûter l'autre, du coup.
Je peux vous dire qu'elle sent bon aussi, la coquine. Je sais pas ce que c'est sur le dessus. Des oignons, du lard et des oignons frits, je pense qu'il faudra que je revoie la recette. Oh mon Dieu! C'est quoi tout ce fromage? Pour ceux qui aiment le fromage, franchement, foncez à la maison de la poutine. Je vous mets l'adresse dans la description, c'est à Paris, dans le 2e arrondissement. Alors je pense que je préfère la Montréal. Elle est très bonne aussi, hein, vraiment très bonne. Mais la Montréal, je sais pas, la sauce est peut-être plus simple. Vous savez, je préfère quand c'est pas très compliqué, moi. Vous en voulez? Tenez. Je déconne, c'est pour moi. Bon, ben vous savez quoi? J'ai plus faim. J'ai vraiment plus faim. En gros, oui, voilà, on peut dire que j'ai mangé une poutine. Si on compare les deux, là, il y en a à peu près un tiers, là, il y en a deux tiers. Je confirme, une poutine suffit largement. Surtout moi qui ai vraiment un bon appétit. Ouh, c'était vraiment très bon. Hein. Oh. C'est que t'es beau, toi. T'as vraiment des beaux yeux. Oui, quoi? Tu veux manger ma poutine? Non. Bon, passons aux notes. Pour les notes, ça va être différent d'habitude. En effet, par exemple, pour le meilleur kebab de Paris ou pour le hamburger au Five Guys, eh bien, j'ai noté sur 5 critères. Cette fois-ci, je vais noter la poutine sur 10. Pour la poutine, très sincèrement, je mettrai la note de 9,5 sur 10. La meilleure note de tout ce que j'ai mangé jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Va vraiment falloir que je creuse pour faire mieux. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. Je suis très friand de ça. Du coup, je vais noter la bière. Vu que, bon, moi je préfère les bières assez soft. Eh bien, pour la bière, du coup, je mettrai la note de 3,5 sur 5. Et enfin, je vais noter l'ambiance du restaurant. Comme vous avez vu, ils ont l'air tabernaquement cool. Du coup, je mets la note de 4,5. Oui, 4,5. Ce qui nous donne, attention mesdames et messieurs, nous avons battu le record, la note de... Yahoo! Oui, 17,5 sur 20. Et je donne pas ces notes parce que c'est mon pays. Non, je suis vraiment sincère avec vous. Dis mon petit calibou. Bon, je suis très content d'avoir fait cette dégustation avec vous. Et oubliez pas, ce mois-ci, tous les vendredis à 17h, je sors une nouvelle dégustation. Allez, abonnez-vous si c'est pas encore fait, comme je vous l'ai déjà dit, ça m'aidera vraiment. Et aussi likez, ça me fait vraiment plaisir de voir pas mal de likes. On évolue bien sur ma chaîne ces derniers temps. On continue comme ça. Moi, je m'éclate vraiment avec vous. Ciao!